Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Proie du Nombre, film britannique et américain de 2020, réalisé par David Bruckner. Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve seule dans la maison au bord du lac qu'il avait construite pour elle. Elle s'efforce de faire face, mais d'inexplicables cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes visions, une présence insaisissable semble l'appeler. Contre l'avis de ses amis, Beth commence à fouiller dans les affaires de son mari, en quête de réponses. Elle va découvrir des secrets aussi étranges qu'inquiétants, et un mystère qu'elle va, malgré les risques, tenter d'élucider. La Proie du Nombre est donc la nouvelle réalisation de David Bruckner, metteur en scène à la réputation grandissante dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo consacrée à son second long métrage, le premier qu'il réalisait seul aux commandes, l'excellent Le Rituel, sorti en 2017. Si Le Rituel avait intégré directement la plateforme de streaming Netflix en France, La Proie du Nombre bénéficie cette fois-ci d'une sortie en salle. He took the boat out on the lake. He took a handgun that I didn't even know that we owned, and in his note, he told me I was safe now. Après les sentiers de randonnée suédois arpentés par un groupe d'hommes dans Le Rituel, place à la femme seule dans une maison isolée au bord d'un lac, dans La Proie du Nombre, avec toujours au cœur de l'intrigue le thème de la perte d'un être cher, mais surtout celui de la gestion du deuil. Le film démarre au moment où le personnage de Beth rentre de l'enterrement de son mari. Dans les jours qui suivent, elle sauve les apparences, faisant comme si de rien n'était, retournant au travail, sortant avec ses amis. On sent tout de même que le cœur n'y est pas, mais Beth n'a pour autant rien de la veuve inconsolable. Au contraire, elle fait preuve d'une répartie cinglante et d'un humour à froid déstabilisant compte tenu de la situation. Elle semble retenir une colère générée par une incompréhension, presque une trahison, le fait que son mari se soit suicidé. Alors qu'elle vivait une dépression et qu'il l'a protégée, voilà qu'elle remet en doute toutes ces années passées avec un homme qu'elle croyait connaître. Stop it. Nothing you find is gonna help you. I think you knew my husband. There's something you should know. What was he building? Mêlant thriller psychologique et histoire de fantômes, La Proie du Nombre est présentée par son réalisateur comme un film au récit angoissant et déchirant, riche en mystères et en révélations. Un dédale dans lequel le spectateur pénètre à ses risques et périls. Et de dédale, il en est effectivement question dans le film, au sens propre comme au figuré. Alors que son entourage lui conseille de ne pas trop remuer le passé et de ne surtout pas combler le vide par de sinistres choses, Beth entreprend malgré tout de découvrir la vérité. Et le chemin vers la vérité sera bien tortueux et bien ténébreux, au point qu'il devient bien difficile pour elle de discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, s'enfonçant et se perdant dans les recoins sombres de la maison comme de son esprit, et se laissant gagner par le désespoir. Un récit bien emballé, que l'on doit au duo de scénaristes Ben Collins et Luke Pietrowski, vient se greffer la prestation parfaite de Rebecca Hall, également coproductrice du film, et la maîtrise de David Bruckner. Ce dernier s'est installé une ambiance macabre et ménagé ses effets, entre illusions d'optique et jumpscares aussi rares qu'efficaces, dans un film faisant la part belle à l'aspect psychologique. Voilà qui est de bon augure pour la suite, et la suite pour David Bruckner et ses deux scénaristes, ce n'est rien de moins que le remake de Hellraiser. Quoi qu'on pense de l'idée d'un remake, d'un classique de l'horreur, au moins il semble être entre de bonnes mains. Ça ne pourra pas, de toute manière, être pire que ce que la saga nous a proposé ces dernières années. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut !